Je suis parti de Bulgarie en 88 pour étudier à l'École des Beaux-Arts de Paris. Totalement immergé dans cette ville absolument sublime, j'ai été heureux d'avoir échappé à mon destin national. C'est tout va au cours de 2006-2007, mais je suis venu ici pour Животът ми се раздели на две и така от тогава живея в Париж и работя в София. J'ai compris alors que les racines sont fondamentales dans l'existence d'un homme qui a quitté son pays. Ce déchirement volontaire reste pour moi, ma vie, mon travail, un moteur. Et je travaille ici, à Sofia, chez Marco Studio. Ce lieu est maintenant devenu mon atelier. J'ai une relation tellement longue et privilégiée avec les artisans qui travaillent avec moi ici que j'ai parfois l'impression d'avoir 50 mains qui me suivent, parfois même me dépassent. Alors aujourd'hui, cet échange est essentiel à ma création. Много текила, малко санрайз. Vous ne pouvez pas attendre après l'inspiration. Il faut la poursuivre avec une massue, avait écrit Jack London. Eh bien, c'est ce que je fais là. J'y cours après. La flamme poursuit encore ici, dans cet autre atelier. Le dialogue continue, le partage aussi. Le travail du verre et du néon, ce gaz volatile, relève presque du dressage de la lumière. Insuffler du sens à la matière pour lui donner une raison nouvelle. Half ou la moitié. Le plus gros est fait. Il reste maintenant la life. Крехкостта на стъклото ще направи тези думи още по-истински. Cette fragilité désarmante rendra ces mots encore plus vrais. We'll be right back.
Auf Life.